Bien installé, foutez de moi ou quoi? Ça fait 36 heures que j'attends dans cette salle. Tu changes de temps avec nous, le petit nouveau, là? On en a épuisé des plus coriaces que toi, des artistes associés. Mais comment ça? Mais je comprends pas, c'est pas ce qu'on avait défini avec l'équipe. Mais de quoi vous parlez, là? Non, mais ce que Gisèle veut dire, à sa manière à elle, certes, c'est que être artiste associé pour la SMAC 07, c'est un vrai investissement personnel, tu vois. Ça demande de la motivation, de l'investissement et du fond. Ouais, alors tu vas pas nous user les tuyaux avec les 36 petites heures passées sur une chaise. Parce que c'est pas 36 heures que tu vas passer avec nous, c'est toute une saison, ok? Ok, d'accord, ça j'ai bien compris, j'ai déjà donné mon accord, hein, donc je me dis que peut-être... C'est nous qui donnons nos accords ici. Bon, ok, ok, calmons-nous. Tiens, mange un petit morceau, tu vas voir, ça va te faire du bien. Mmh. Ouais, et j'espère que t'aimes, hein, parce que ça aussi tu vas en bouffer toute la saison. Ouais, merci, hein. C'est très bon, mais je pourrais avoir un coca avec. Putain, José, tu me retiens parce que je vais faire un malheur là. Tiens, calme, toi. Tiens. Un petit vin blanc naturel. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Ah, oui, d'accord. Viens, je t'aide. Ah, c'est bon, hein? Oui, c'est bon. Ouais, très bon, merci. Ben évidemment que c'est bon, il sort d'où celui-là? Ben allez, faites-lui parler de son projet maintenant. Bon, allez, mon grand. Mets-toi à table. Qu'est-ce que tu nous prépares cette saison? Tu vois, Gisèle, je te l'avais bien dit que ça allait être aussi palpitant que les saisons précédentes. Ouais, je demande à voir quand même. Oh. Ok, maintenant, testez ses connaissances sur l'Ardèche. Alors avec Jean-Mi, on a préparé un petit quiz sur l'Ardèche. Première question, où a atterri la première montgolfière? A, dans un talus. B, elle n'a pas atterri, elle a brûlé. C... Non mais arrêtez vos conneries là, on n'est pas au jeu des 1000 euros ici. Mais attendez là, à qui vous parlez? Bon, mon grand. Je peux t'appeler mon grand? Oui. Bon. On est d'accord. Tu vas bosser tes créations avec tes collègues, faire des résidences comme ça dans toute l'Ardèche. Mais bon, tu vas jouer quand même. On va organiser des concerts un peu partout, à droite à gauche. Ouais, c'est ça. On en a de l'espace pour des petits jeunes comme toi. Oui, parce que tu comprends bien que nous, on veut faire plein d'autres trucs pour les habitants. Oui, oui, je sais, les actions culturelles et sociales, tout ça. D'ailleurs, j'ai commencé à y réfléchir. Ah, mais réfléchir, c'est bien mon papa, hein, mais il va falloir verser quelques gouttes de sueur. Hein. Allez, au contact. Ah, aucun problème. Attends. Tu parles de Gisèle, là. Alors tu vas te calmer parce que je te le dis tout net. Ça va mal se mettre, cette histoire, à la fin. Enfin, José, laisse parler le jeune homme. On parlait contact, c'est ça? Oh, reprenez-vous, là. Bon, demandez-lui s'il est d'accord pour travailler avec les jeunes, les enfants, tout ça. Et tu aimerais avoir des enfants? Pardon, j'ai fourché. Tu aimes ça, travailler avec des enfants, mon grand? Ben, oui. Ben. Alors on bafouille le beau gosse? Gisèle te parle d'ateliers réguliers, de rencontres avec les scolaires. Oui, avec des élèves musiciens, des géants de tout genre, de toutes origines, toutes conditions. Ah oui, bah ça, pas de problème. Ok. Demandez-lui s'il est ok pour travailler avec les personnes âgées. Et les vieux? Tu les aimes, les vieux? Ben, comment dire... oui, mais j'aime tout le monde, en fait, moi. Ah ben voilà ce qu'on voulait entendre. Ah ben voilà ce qu'on voulait entendre. Ouf. Ah donc c'est cool, ça va? Vous allez me détacher maintenant? Bah évidemment, mon papa, on n'est pas des sauvages en Ardèche. Allez, viens faire des bisous à tata Gisèle. Oh! Mais détachez-moi, là! Gisèle! José! Oh! Allez!
chez moi.